la fin du dernier Batman, on se rend compte que le méchant n'était pas celui qu'on pensait, que c'était Marion Cotillard. Un peu comme dans le dernier quart d'heure du sixième sens, on apprend que Bruce Willis est un fantôme, qu'il est mort depuis le départ. Pour tout vous dire, Dumbledore meurt à la fin du sixième volet, un peu comme Tony Soprano à la fin de la sixième saison. Dans Breaking Bad, le père de Malcolm finit par se faire tuer. C'est pas le seul chauve qui finit mal, faudrait que tu vois Armageddon. Laisse-moi te gâcher la fin de ton film, laisse-moi te dire qui est le méchant. Laisse-moi te gâcher la fin de ton film, la prochaine fois tu parleras pas pendant. Si Rosebud est le dernier mot que prononce Charles Kane, c'est que c'était le nom de la luche qu'il avait quand il était jeune. Et puis à la fin de Fight Club, et ben le type est schizophrène. Et surpris, c'est Kevin Spacey qui joue le tueur dans Seven. Un an après avoir été le grand méchant Kaiser Soze, c'est à croire qu'il y en a qui ont un faciès qui prédestine. Dans Saul, le méchant c'est le type au milieu qui est allongé. Dark Vador c'est le père de Luke, et Princesse Leia sa frangine. Laisse-moi te gâcher la fin de ton film, laisse-moi te dire qui est le méchant. Laisse-moi te gâcher la fin de ton film, la prochaine fois tu le téléchargeras légalement.